Alors, cette capsule, c'est pour faire un retour sur mode moyenne médiane. Tu peux prendre des notes, tu as créé un aide-mémoire pour le placer dans ton duotang de SOS Math. Le mode, c'est la donnée qui se répète le plus souvent. La médiane, c'est la donnée qui se retrouve au milieu de la distribution. Et la moyenne, c'est la somme des données divisée par le nombre de données. Voici un exemple. Alors, j'ai fait un inventaire des arbres dans ma cour. Voici les différentes hauteurs des arbres dans ma cour. Pour déterminer le mode, je dois tout simplement observer les données pour voir s'il y en a une qui revient plus souvent. Et ici, on voit que 5 mètres revient plus souvent. Alors, le mode, c'est 5. Pour trouver la médiane, il y a quelques étapes à faire. La première chose, il faut placer les données en ordre croissant, du plus petit au plus grand. Alors, j'ai pris toutes mes hauteurs, 5, 5, 8, 9, 10, 11. Ensuite, je dois trouver qu'est-ce qui est le milieu de mes données. Alors, une bonne façon de le faire, c'est d'éliminer la plus petite, la plus grande, la plus petite, la plus grande. Parfois, je vais avoir une donnée au milieu. Ça, c'est la médiane. Mais ici, ça peut m'arriver que j'ai deux données. Alors, pour trouver la médiane, je vais additionner ce qui me reste, 8 plus 9. Alors, 8 plus 9 est égal à 17. Et je vais aller diviser par 2. Donc, 17 divisé par 2, c'est 8,5 ou 8,5 dixièmes mètres. Ma médiane, c'est 8,5. La moyenne. Pour trouver la moyenne, tu n'as pas besoin de placer tes données en ordre croissant, mais tu dois aller faire l'addition de toutes tes données. Alors ici, 5 plus 11 plus 9 plus 5 plus 10 plus 8. L'ensemble, la somme, est égale à 48. J'ai 6 données, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais dire 48, la somme de mes données, divisé par 6, est égale à 8 mètres. Donc, la moyenne est 8 mètres.